Allez, c'est parti pour le petit bilan militaire et chasse. Donc, dans la chasse, nous avons donc les balles à sanglier comme ceci. Alors, je garde pas tout. Hein. J'en ai gardé une. Les autres finissent dans la boîte à plomb. Voilà. Ensuite, nous avons celle-ci, qui est une balle à sanglier aussi. Voilà. Les cartouches à broche. Ça c'est le gros modèle. Il y a les petits modèles, tout petit peu plus petits. J'en ai gardé que deux. Voilà. Et à nouveau les cartouches à sanglier, donc à ailette. Voilà, ça c'est le plus commun, c'est ce qu'on trouve le plus en forêt. Voilà. Alors, toujours dans la chasse moderne, les bastos comme ça, donc qui sont des munitions récentes. Hein. C'est du 7,64, donc c'est tout à fait récent. C'est balles de chasse. Hein. Et puis moi, donc retrouver bah, tel quel en forêt. Hein. Voilà pour la chasse. Allez, on va passer au militaria. Alors. Pour le militaria, on va commencer par les bastos. Donc évidemment, pareil, hein, je garde pas tout, j'en ai éliminé un sac à paquet. Voilà, petite collection de bastos. Hein. Donc c'est du Mauser. Voilà. Bon, là, il y en a quelques-unes. Hein. Voilà, ça c'est militaire. Donc dans la forêt, on en trouve encore pas mal. Hein. Ensuite, on a des balles comme ça, en plomb, avec ogive plomb. Voilà, c'est quand même des sacrés bastos. Voilà. Là, on a une... Alors, je pense... voilà. Une ogive. Pareil, ça c'est militairien. Hein. Ensuite, on a les ce qu'on appelle les balles de shrapnel. Hein. Voilà. Balles en plomb qui était. Voilà, ça c'est du shrapnel. Voilà. Ensuite, on a des petites ogives. Donc voilà. Petites ogives. Les ogives en cuivre. Voilà. On a également les différents ogives aussi. Voilà. En cuivre. Et nous avons les ogives en plomb. Elles sont pas très grandes. Hein. Donc voilà. Ensuite, nous avons les ogives. Là, c'est de la... Voilà. C'est quand même de l'ogive assez... assez costaud. Cuivre. Voilà. Ensuite, nous avons quelques balles de mousquet, ça c'est pareil, je garde pas tout. Ouais, elles sont plus petites. Donc ça c'est des balles de mousquet. Voilà. Et pour finir, quelques douilles. Donc dans les. Ça c'est de l'anti-aérien, je pense. Voilà, donc c'est quand même des sacrées douilles. Voilà. J'en ai gardé 4. Voilà. Hop. Ensuite, une qui est assez costaud quand même. Voilà.
Une sacrée, sacrée douille. Voilà. Et puis la plus grosse découverte, c'était celle-ci. Bon, c'est vraiment la big cartouche. Voilà. Par contre, est-ce que c'est une fumigène? Est-ce que c'est... Je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Donc en gros, voilà. Voilà, petit bilan Militaria et puis chasse. Alors, sachant que bon, Militaria et chasse, ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Donc j'en garde quand même quelques-unes. Mais tout le reste après recycler, quoi. Voilà. Allez. Prochain bilan, ça sera, on va commencer sur les objets. Il y aura des boucles, il y aura les boutons, il y aura, voilà, petite vidéo entre deux comme ça, entre deux vidéos de détection, je fais des petits bilans sur mes trouvailles depuis le temps. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine, bonne détecte à tous et à très vite. Ciao, bye.